وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, nous allons parler d'un thème qui est très important, un thème qui touche beaucoup de femmes, c'est l'hypothyroïdie. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Beaucoup de questions se posent sur cette maladie auto-immune qui est l'hypothyroïdie ou la maladie Hashimoto, ou donc l'inflammation au niveau de la thyroïde ou la baisse de la thyroïde. Donc tout ce thème-là est très important. Il faut savoir quelles sont les solutions et on va voir ensemble les solutions naturelles, les 7 solutions naturelles pour pouvoir lutter contre l'hypothyroïdie. Alors, revenons à la médecine prophétique. Qu'est-ce que dit la médecine prophétique sur les maladies auto-immunes? À savoir qu'un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur la maladie qui était au temps du prophète, c'est la maladie de Namla. Hein, ils appelaient ça Namla. Les Arabes, ils l'appelaient Namla. Pourquoi? On peut dire aujourd'hui c'est une maladie qui est très proche de l'eczéma, mais qui est auto-immune. Une maladie qui reste dans le corps, qui attaque les anticorps, et qui attaque le système immunitaire, donc une augmentation des anticorps, qui attaque, il y a une attaque du système immunitaire. Et le fait que la personne se met à gratter, nemla, c'est-à-dire des fourmis, c'est comme si c'était des fourmis qui passaient sur votre corps et vous mettez à gratter, car votre système immunitaire commence à se détériorer et être attaqué, en danger. Donc la thyroïde et surtout l'hypothyroïde, c'est un problème immunitaire, un problème qui touche le système immunitaire, qui affaiblit le système immunitaire à travers une baisse. Et cette baisse, c'est une baisse énorme de certaines hormones comme TSH. Donc on va voir justement la transition entre la T4 et T3, la transgression entre la T4 et la T3, à savoir que justement le fait d'avoir un manque énorme de iode, car le système immunitaire va attaquer justement la glande, donc cette petite glande qui est la thyroïde, qui se trouve au milieu du cou, qui est comme un papillon, et qui va avoir une défaillance, surtout un déséquilibre, un métabolisme qui va commencer à avoir un retour sur les carences en iode. Donc il y aura une grosse carence en iode. Donc nous, au niveau des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a conseillé, quand la personne a cette maladie auto-immune, donc c'est un namla, qui est l'eczéma, d'utiliser 2 choses. D'utiliser donc la ruqya, car c'est peut-être, et ça on a vu ensemble que les maladies auto-immunes, des fois, la cause peut être un mal occulte. Peut-être un mal occulte, une personne qui a été touchée par certaines blessures, choses invisibles, que ce soit donc la jalousie, que ce soit le haïn, que ce soit la sorcellerie ou autre. Donc le prophète a conseillé pour la maladie de Namla de faire la ruqya et en même temps justement de traiter cette maladie qui est comme l'hypothyroïdie, qui est une maladie donc auto-immune et aussi inflammatoire. Alors la ruqya est importante et aussi de traiter donc à travers des plantes et à travers des produits naturels, l'alimentation, le stress, gérer le stress. Donc on va voir 7 choses. Première chose que je vous conseille, c'est bien sûr d'utiliser la ruqya. C'est vrai qu'on commence toujours par les plantes ou l'alimentation, mais je vous commence de commencer par la ruqya. Faites de la ruqya sur vous-même, ça c'est important. Faites de la ruqya sur vous-même pour toute maladie auto-immune. Ça c'est une règle dans la médecine prophétique. De faire la ruqya sur soi-même. Sur soi-même, de faire la ruqya, de lire certains versets, de faire attention à ses askar le matin, de faire ses du'as, ses invocations le matin et le soir, se protéger. Donc la ruqya, c'est de se protéger. Deuxième chose, d'utiliser des plantes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandées, le costu indien. Les plantes qui sont intéressantes pour l'hypothyroïdie, le costu indien, pourquoi? Car le costu indien va réchauffer le corps et surtout faire la transition entre la T4 et la T3. La transition entre la T4 et la T3. Le costu indien est très connu. Le prophète nous a dit dans certains hadiths qui est très connu, utiliser ce bois indien, car il est une guérison pour cette maladie.
Alors, 7, bien sûr, un nombre que le prophète a précisé, donc, mais pour beaucoup de maladies. Hein, bon, pour beaucoup de maladies. Aujourd'hui, on utilise beaucoup, des brocs de noix, par exemple. Le broc de noix est très utilisé aujourd'hui en naturopathie. Pourquoi? Car c'est une matière qui est marron, et marron foncé, et qui réchauffe. Hein, le broc de noix, il réchauffe le corps. Il faut un maximum, pour la personne qui a l'hypothyroïdie, il faut réchauffer le corps. Réchauffer, car parmi les symptômes de l'hypothyroïdie, la personne a commencé à avoir froid dans les mains, les pieds, hein, donc frilosité. Donc, lutter contre la frilosité. Le cossu indien, la graine de Niger est très important aussi. Utiliser aussi des adaptogènes, car la personne qui a l'hypothyroïdie va se retrouver fatiguée, une grosse fatigue, hein, ça fatigue. Donc, il faudrait des adaptogènes comme Ashwagandha, qui sont connus. Toute la famille des ginseng, hein, le théracoque, la maca. Toutes les ginseng qui sont importantes, qui permettent d'avoir une certaine vitalité, de prendre le matin pour avoir une vitalité comme l'Ashwagandha, qui est très bien. Donc, le ginseng indien, qui peut justement aider la personne qui a peur à ne pas être fatiguée. Aussi, une chose importante qui est à faire pendant les solutions à faire, le jeûne. Le prophète recommandait beaucoup le jeûne. Donc, une solution importante et naturelle, de jeûner. Et le jeûne booste l'immunité et aussi fait sortir les toxines du corps. Et à savoir que le jeûne aide aussi à faire baisser donc la T3. Hein, donc, à faire baisser aussi cette hormone qui permet de réguler la thyroïdie et surtout de réguler l'hypothyroïdie. Une autre solution importante aussi pour lutter contre l'hypothyroïdie, l'alimentation. Donc des choses qu'il faut faire attention et des choses qu'il faut, vous pouvez bien sûr par prévention essayer de ne pas prendre donc surtout si c'est des personnes qui sont touchées par par le gluten par exemple, qui ne peuvent pas prendre le gluten, qui ne peuvent pas prendre de prendre par exemple des solutions donc l'alimentation au niveau de l'alimentation, de prendre par exemple la betterave. De prendre par exemple la carotte qui est très bien pour le système, donc pour régénérer la flore intestinale. Vous avez aussi donc le persil qui est très bien, le cresson, hein, et les huiles de poisson. Hein, donc tout l'alimentation basée aussi pour augmenter donc la carence en iode, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de compléments alimentaires aussi. Donc on va parler aussi des compléments alimentaires. Ce que je vous conseille, alors au niveau complémentaire, au niveau des plantes, d'utiliser par exemple le romarin pour le foie. Pour régénérer le foie, qui aide à l'hypothyroïdie. Pour aussi les produits où il y a des algues. Les algues, est important. Hein, où il y a beaucoup d'iode, une contenance d'iode, comme par exemple la spiruline, le chlorella, le calmate, hein, le fucus. Hein, toutes ces algues qui aident justement à aider à pouvoir booster donc la personne qui a un manque de iode. Aussi, donc, intervention alimentaire, comme je l'ai dit, donc faire attention à certaines. Surtout le lait, tout ce qui est produit laitier, d'éviter, et de compenser par d'autres produits qui peuvent justement régénérer donc le système immunitaire et surtout protéger donc la glande qui est la thyroïde. Aussi une solution naturelle lorsqu'on a donc parlé des plantes, parlé de l'alimentation, le jeûne, la lauria, aussi donc les compléments alimentaires. On a besoin de certains compléments alimentaires comme par exemple l'iode. De prendre l'iode avec des compléments comme l'iode, le sélénium, ce qui est très bien, la vitamine D. Vous avez aussi, donc, par exemple, la vitamine A, qui est importante aussi pour l'hypothyroïdie. Donc, de prendre un complément alimentaire où il y a tous ces éléments-là, hein, où il y a du zinc, du sélénium, la vitamine A, la vitamine D, hein, du fer, et avec aussi, pour terminer, bien sûr, l'iode. Si vous trouvez, bien sûr, un complément alimentaire où il y a tous ces éléments-là, ça vous aidera justement à pouvoir préserver et régénérer votre corps et lutter contre l'hypothyroïdie. Je vous conseille aussi au niveau des plantes importantes aussi, donc un adaptogène qui est très bien aussi à prendre et qui a fait beaucoup d'expériences, qui a fait beaucoup de bien aux personnes qui ont des problèmes d'hypothyroïdie, c'est le cordyceps, un champignon de l'Himalaya qui non seulement donne de la vitalité, lutte contre les problèmes au niveau de l'émotion, au niveau des problèmes de fatigue morale, physique, hein, le cordyceps. Et pour terminer, deux choses qui sont importantes au niveau de l'hygiène de vie, hein, pour pouvoir avoir un équilibre mental, psychologique, spirituel et matériel, hein, c'est avec la physiologie, bien sûr, au niveau du corps, c'est bien sûr lutter contre le stress. Car la cause de
L'hypothyroïde peut être un problème donc au niveau psychologique. Ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un gros stress, angoisse, anxiété. Donc lutter contre le stress. Et là, je vous conseille par exemple des plantes comme le safran, le rhodiola, la verveine, à faire des tisanes pour au maximum donc avoir être un état serein, hein, car l'hypothyroïdie, la personne se retrouve des fois énervée, se trouve des fois perturbée. Hein, donc, alors, des plantes idéales, le safran. Le safran est très, très, très bien pour lutter contre le problème d'hypothyroïdie. Et terminons, bien sûr, avec une chose importante au niveau de l'hygiène de vie, mais sur l'exercice physique. Car ça peut être un problème. L'hypothyroïdie peut être aussi la cause de la sédentarité. Et surtout, vous savez que l'hypothyroïdie, la personne commence à prendre du poids, hein, gonfler, le visage commence à gonfler en dessous des cernes avec le poids qui commence à prendre. Donc, il faut qu'il y ait une lutte contre cela, avec bien sûr les plantes, avec la vitalité, l'alimentation, l'élimination des toxines avec le jeûne. Et pour terminer, bien sûr, hein, la marche. La marche est importante. Vous pouvez faire des exercices où vous vous sentez bien, mais la marche est très bien pour lutter contre les exercices physiques, donc la marche pour lutter contre l'hypothyroïdie. C'est vrai qu'on peut utiliser la hijama, hein, le jeûne va très bien avec la hijama. La hijama va permettre justement de pouvoir, donc au niveau du système sanguin, surtout au niveau de réchauffer le système immunitaire, hein, régénérer le système immunitaire, même de le faire de temps en temps, de faire la hijama, ça fera beaucoup de bien. Donc voilà les solutions naturelles pour pouvoir lutter contre l'hypothyroïdie. Bien sûr, il faut essayer, il faut s'adapter, changer notre système de vie, changer notre alimentation, changer notre pensée, changer notre physique, notre spiritualité. Donc tout ça, ça aide justement à lutter contre ces problèmes auto-immunes et surtout donc l'hypothyroïdie. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.